vous aimez le foot? Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es comique, toi, hein? Mon père adorait le foot. Il m'emmenait au stade tous les week-ends. Bon, écoutez, Catherine, on... Nicole. Un homme peut bien se faire un brushing, qu'est-ce que je vois? J'ai pas de brushing, c'est naturel. Ce sera vous le coach? C'est moi qu'il faudra écouter. Je joue pas ça avec les filles, hein. Alors là, pas du tout. Un entraîneur n'a pas de relation avec ses joueuses. Je vous ai mis sur la liste, hein, puisque vous aimez le football. Dis donc, Emmanuel cache bien son jeu. Oui. Fais ta photo, toi. Hein? Oui. Mais allez-y! Alors là, elle m'épate. Alors, c'est qui les gonzesses? Vous avez de l'or au bout des pieds. Avec votre talent, mon sens de l'entreprise... Emmanuel! On va aller très très loin. Regardez comme votre nom ressort bien, là. Hein? Je vois tout à fait. Ma propre femme m'a dit qu'elle voudrait bien jouer. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on joue au foot? C'est vous qui décidez si on a le droit d'être sur un terrain alors que vous êtes planqué derrière vos bureaux? On va changer de tactique. On va changer les mentalités. On va avoir des licences, une vraie reconnaissance. On va avoir toutes les autres filles qui vont nous suivre derrière nous. Nous nous battrons jusqu'au bout pour jouer au football comme les garçons. C'est une déclaration de guerre. Je prends tous les risques. Oh, on se calme. Je me casse. Alors on abandonne, c'est ça? On est des pionnières, non? Alors faut aller jusqu'au bout. Vous êtes formidables. Et croyez-moi, j'en ai fait des photos de foot. Allez les filles, tampons et nichons.